Bien-aimés dans le Seigneur, nous vous saluons très chaleureusement et fraternellement dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Je suis très ravi de vous retrouver sur notre site préféré, notre site où nous nous rencontrons tous les jours, www.rema.web.com. Et tous ceux qui me suivent ou qui nous suivent par le biais ou par le moyen de divers moyens, supports audiovisuels ou chaînes de télévision, nous vous saluons également. Soyez bénis, nous ou moi, c'est votre bien-aimé dans le Seigneur, le berger Grégoire Mabokoy. Je suis un de vôtres, j'évolue à l'église La Louange qui est installée ici en Belgique. Également partout dans le monde. Donc, recevez mes salutations, recevez la bénédiction venant de la part de l'Éternel, vous qui nous suivez. Je suis dans la joie parce que la Bible nous dit dans Psaume 105, au verset 3, « Glorifiez-vous dans son saint nom, et que le cœur de ceux qui recherchent l'Éternel se réjouisse. » Je vais vous dire, réjouissez-vous. Soyez dans la joie parce que je sais en venant sur ce site www.remaweb.com, c'est que vous êtes enfant de Dieu, vous recherchez la face de l'Éternel. L'Éternel vous dit d'avance, d'emblée, avant même que vous ne posiez votre problème, réjouissez-vous. Soyez dans la joie pour ce temps favorable que nous voulons partager. Le thème que nous voulons partager avec vous s'intitule ainsi « Est-ce qu'il y a encore de la place pour moi dans votre cœur. » Nous allons rentrer dans la profondeur de cette prédication, de cette exhortation tantôt, mais d'emblée, nous voulons ensemble avec vous souffler avec cette musique. Bien-aimés dans le Seigneur, bienvenue sur notre site chrétien remaweb.com. Beaucoup d'entre vous se demandent, c'est quoi RemaWeb? En effet, c'est une association sans but lucratif ayant pour vocation la propagation de la parole de Dieu en vue de gagner autant que possible les âmes à Jésus-Christ et préparer ainsi l'Église au retour du Christ. Vous conviendrez avec nous, frères et sœurs, que réussir un tel pari nécessite une conjugaison parfaite de nos efforts. Car si jusque-là, nous avons pu atteindre des milliers de personnes, beaucoup reste encore à faire. Voilà pourquoi nous sollicitons votre soutien, tant matériel, financier que spirituel, pour réaliser cette noble mission qui vise à glorifier notre Seigneur par qui nous sommes appelés enfants de Dieu. Pour tout contact, voici notre adresse info@remaweb.com. Compte bancaire en Suède 57 26 04 35. Je répète 57 26 04 35. Que Dieu vous bénisse.
ne mai bitaka jimina tulune jiban bitaka shikila ngatubloba ne mai bitaka jimina oka satana utaka kwa chibwa utaka sikibwa wone twene jebwe ndu yemuka bya aha ngabya kachika ma hanka twaka bena aha katoka kema ndu bene ni shile no bya wono bya no lumule sakaile lwe wone tumaile lwe le lumwenu kajuma kale la mwetu nous venons de l'éternité nous allons à l'éternité nous avons quitté le kindumba pour aller à l'éternité nous avons quitté les jamba nous avons quitté les franca nous avons quitté les mouyibi pour aller Zayas 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 yes Zayas yes Zayas Zayas Voilà, bien-aimés dans le Seigneur, encore une fois, bienvenue. Nous espérons qu'on a été édifiés par cette musique. Notre thème, nous l'avions intitulé tantôt, « Est-ce qu'il y a encore de la place pour moi dans ton cœur ?» Vous savez, nous allons parcourir quelques passages bibliques, notamment Jean 14, au verset 2 et au verset 15, Jean 13, 34 à 35, nous lirons également Hébreux 13, 1 à 3. Et nous allons conclure par 1 Corinthiens 13, verset 7. Nous ferons aussi illustration Apocalypse 3, verset 20. Jean 14, verset 2. Je vais lire 1 à 2. La Bible dit ceci. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Le verset 15 dit ceci. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Jean 13, 34 à 35 dit ceci. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres. Comme je vous ai aimé, vous aussi, aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Parole du Seigneur. Nous allons également lire Hébreux, chapitre 13, du 1er au 3e verset. Persévérez dans l'amour fraternel. N'oubliez pas l'hospitalité, car en l'exerçant, quelques-uns ont logé des anges sans le savoir. Souvenez-vous des prisonniers comme si vous y étiez aussi prisonniers, de ceux qui sont maltraités comme étant aussi vous-même dans un corps. Parole du Seigneur. 1 Corinthiens 13, verset 7. Nous dit ceci. Il esquisse tout. Il croit tout. Il espère tout. Il s'y porte tout. Et nous allons conclure par Apocalypse 3, verset 20, que vous connaissez, que nous connaissons tous. C'est Christ qui parle. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Je souperai avec lui et lui avec moi. Parole du Seigneur. Bien-aimés, nous sommes dans la joie, vraiment dans la joie, de partager ce message, ce beau message que le Seigneur nous a donné avec vous, vous qui nous suivez. Notre site www.remaweb.com. Nous sommes dans la joie de partager ce message. Pardon. Bien-aimé, le commandement nouveau, c'est que aimez-vous les uns les autres.
comme Christ vous a aimé. Mais de quelle manière Christ nous a aimé? Le commandement, il dit le commandement nouveau parce qu'il y avait déjà les 10 commandements que Moïse avait ramenés, que vous et moi nous connaissons. Mais il dit le commandement nouveau, je n'ose pas l'intituler ou l'appeler le 11e commandement, mais c'est le commandement qui résume tous les autres, c'est que aimez-vous les uns les autres. Mais Christ rajoute, comme moi, Christ, je vous ai aimé. Je suis en train de me poser la question, de quelle manière Christ nous a aimés? De quelle manière Christ nous a aimés? Il nous a aimés, lui qui était dans le ciel, dans son trône de grâce et de gloire. Il avait accepté de prendre la chair. Il avait accepté de souffrir. Il avait accepté d'être maltraité jusqu'à mourir et être enseveli pour vous au moins. Voilà de la manière, de quelle manière Christ nous a aimés. De quelle manière Christ nous a aimés. Il s'est livré lui-même. C'est cet amour-là qu'il a manifesté. C'est de cet amour-là qu'il dit, si vous aimez votre frère, si vous aimez votre soeur, si vous aimez votre mari, ou vous aimez votre époux, vous devez l'aimer de la manière dont Christ vous a aimé. Cet amour va jusqu'au niveau des sacrifices. Mais qu'est-ce que nous ne voyons pas aujourd'hui? Les familles sont divisées, frères et sœurs ne se parlent pas, les couples sont disloqués, mari et femme ne se parlent pas. Aujourd'hui, il y a beaucoup de couples qui divorcent. Pourquoi? Parce qu'il n'y a plus d'amour. Parce qu'on ne s'aime plus. On ne s'aime plus quand nous disons plus ce qu'au départ on s'était aimé. Mais par rapport aux situations, par rapport aux complications ou aux problèmes qui surviennent, voilà, on ne s'aime plus. Quand on ne s'aime plus, nous voulons croire simplement que votre frère ou votre sœur ne trouve plus de place dans votre cœur. Or, toi qui as reçu Christ comme Seigneur et Sauveur, il habite dans ton cœur. Sa mission dans ton cœur, c'est qu'il vient pour préparer des places pour les autres. Est-ce que dans ton cœur, il y a encore de la place pour le berger Grégoire que je suis? Est-ce qu'il y a encore de la place pour ton frère? Nous croyons que Christ est en train de nous enseigner. Voilà pourquoi il dit que si vous m'aimez, parce que je crois qu'en venant, en suivant cette émission, en suivant cet enseignement sur notre site www.remaweb.com, ce que vous aimez le Seigneur. Parce que c'est un site chrétien. Si vous venez, c'est parce que vous aimez le Seigneur. Mais qu'est-ce que le Seigneur est en train de dire? Il dit, si vous m'aimez, vous garderez mes commandements. Et le commandement qu'il donne, c'est que aimez-vous les uns les autres. J'essaie, je ne minimise pas les problèmes qui se sont survenus dans votre amitié, dans votre famille, dans votre couple. C'est peut-être grave humainement parlant, mais si vous aimez Christ, si vous aimez le Seigneur, gardez ses commandements qui dit aimez-vous les uns les autres. Ma prière, ou votre prière en écoutant ce message, c'est que nous devons dire au Seigneur, Seigneur, crée de l'espace dans mon cœur pour les autres. Amen. Crée de l'espace pour mon mari. Toi, la femme qui me suit, tu as eu la grâce d'écouter ce message. Tu es peut-être prête à demander le divorce. Il n'y a plus de place pour ton mari. Parce qu'il est méchant, parce qu'il est mauvais, c'est sûr qu'il a fait des choses pas louables. Mais est-ce qu'il y a encore de la place? S'il n'y en a plus, ta prière, en suivant ce message, que le Seigneur puisse créer, parce que le Seigneur habite dans ton cœur, qu'il puisse créer de l'espace dans ton cœur. Et toi qui es rejeté, toi qui se sens
abandonné, pose-toi aussi cette question, est-ce que j'ai encore de la place dans ton cœur? C'est la question primordiale que nous voulons nous poser, parce que dans, au nom de l'amour, nous devons nous accepter les uns les autres. Si on ne s'aime pas, si les familles aujourd'hui se dispersent ou que les gens ne se parlent plus, c'est parce qu'on ne s'accepte plus. C'est simplement cela. Mais nous prenons le nom du Seigneur, nous prenons notre Bible, nous allons à l'église, nous prions, enfant de Dieu. Il dit gardez mes commandements. Je vais dire que gardez mon commandement, parce que de tous les commandements qu'il a donnés se résument en un seul. Et il dit gardez, si vous m'aimez, gardez ces commandements. C'est alors que tous les autres reconnaîtront que vous êtes mes disciples. Mais nous venons, nous avons lu aussi Hébreux. Nous avons lu Hébreux 13. Qu'est-ce que nous dit Hébreux 13? Du premier au troisième verset. Persévérez dans l'amour. Ce qui m'a frappé, ou ce qui a retenu mon attention, ce verbe, persévérez. Je laisse un peu l'aspect spirituel de choses. Je prends la grammaire ou le français. Quand on dit persévérer, c'est que quelque part, il y a un effort à fournir. La Bible a encore raison, parce que ce n'est pas facile de demeurer le plus longtemps possible dans l'amour. C'est pourquoi tantôt je disais qu'avant on s'aimait. Nous sommes dans la famille, quand on était né, on s'aimait. On savait que celui-ci est mon frère, celle-ci est ma soeur. Mais à cause des problèmes, aujourd'hui, on ne se regarde même pas. Aujourd'hui, on ne se cite même pas de nom. On commence à s'éviter complètement. Si j'arrive quelque part, je sais qu'un tel y sera, je ne viendrai pas, même si on m'y invite. Pourquoi? Parce qu'on ne se supporte plus. Mais la Bible nous dit persévérer dans l'amour. Quand on dit persévérer, c'est qu'il y a des efforts à fournir. Souvenons-nous, Jésus-Christ parle. Il dit aimez vos ennemis. Et il rajoute priez même pour ceux qui vous maltraitent. Oh, je bénis le Seigneur. Parce que je parcourais l'histoire de Salomon. Salomon avait reçu la visitation divine. Et Dieu lui demanda demande-moi tout ce que tu voudras, je te le donnerai. Salomon, nous savons, avait demandé l'intelligence et la sagesse pour diriger le peuple de Dieu. Dieu était ravi de cela. Mais si vous lisez 1 Roi 3 au verset 11, Dieu est en train de répondre à Salomon. Il dit, tu m'as demandé l'intelligence et la sagesse pour diriger mon peuple. Je te l'accorde. Mais puisque tu ne m'as demandé que cela, puisque tu ne m'as pas demandé la richesse, puisque tu ne m'as pas demandé le pouvoir, il rajoute dans tout ce qu'il cite, qu'aurait demandé un homme, qu'aurait demandé vous et moi, il dit, puisque vous n'avez pas demandé la mort de tes ennemis, alléluia, tu as des ennemis, je sais. Où vous avez des ennemis. Il y en a de ceux qui cherchent ta tête. Dans la famille, il y en a de ceux qui te persécutent, qui te maltraitent. Oh bien-aimé, je voudrais que tu sois comme Salomon. La Bible dit, Dieu était dans la joie parce que Salomon n'avait pas demandé la mort de ses ennemis. Qu'on ne vous trompe pas, bien-aimé, dans le Seigneur. Quand même qu'on vous maltraite, vous qui me suivez, partout dans le monde, que vous soyez au Cameroun, au Canada, aux États-Unis, partout que vous soyez, qu'on ne vous trompe pas de demander la mort, de prôner la mort, parce que Dieu est amour. Alléluia. S'il y a encore de la place, pour ceux-là qui nous maltraitent, nous prônerons, bien entendu, la mort. Il y a beaucoup de passages bibliques
Si nous prenons Job 31, verset 29, nous voyons Job est en train de se poser des questions. Pourquoi ces malheurs m'arrivent? Et dans toutes les questions qu'il s'est posées, quelque part, il s'est dit, est-ce que moi, j'étais dans la joie du malheur de mon ennemi? Alléluia. Bien-aimé, nous sommes souvent, quand quelqu'un est votre adversaire ou votre ennemi, c'est lui qui vous maltraite, qui vous persécute, souvent quand il se retrouve dans un malheur quelconque, on se dit, voilà, il a touché à un oint de l'Éternel. Voilà ce qui lui arrive. Non. Job s'est dit, est-ce que je m'étais réjoui du malheur de mon ennemi? Cela est la volonté parfaite de notre Seigneur. Bien-aimé dans le Seigneur, je donnerai beaucoup d'exemples bibliques là-dessus pour voir que nous devons persévérer dans l'erreur, dans l'amour. Mais ce qui est beaucoup plus grand, c'est Christ lui-même qui a donné l'exemple. Il était encore sur la croix. Mais il a demandé, Père, pardonne-leur, parce qu'ils ne savent pas. Parce que ces gens qui les maltraitaient, en fait, ils avaient encore de la place dans son cœur. Bien-aimé, pour arriver à pardonner, il faut que cet homme puisse avoir de la place dans ton cœur. Nous, vous et moi, c'est nous qui étions condamnés. C'est nous qui méritions autrefois la place qu'il avait prise. Il a pris notre place. Il a souffert pour nous. Mais il nous a pardonné. Il n'avait pas entendu qu'il soit dans sa gloire ou qu'il monte au ciel. Mais en étant là, encore que le sang coulait, il avait encore mal. C'est en ce moment-là qu'il a pardonné. Peux-tu pardonner à ton mari? Oui, il a mal fait. Le monde le voit. Tout le monde dans ta famille peut-être te condamne. Pourquoi tu restes encore dans sa maison? Il a mal fait. Indignité notoire, tout le monde le sait, ce n'est même plus à cacher. Oui, nous le savons. Mais est-ce qu'il y a encore de la place? S'il y a de la place, un tout petit peu de place, je crois que tu pourras pardonner. Au nom de l'amour, Salomon n'avait pas demandé la mort de ses ennemis. Au nom de l'amour, Job non plus n'avait pas demandé la mort de ses ennemis. Au nom de l'amour, Christ a pardonné étant à la croix. Je vous exhorte, bien-aimés dans le Seigneur, qui nous suivait, au nom de l'amour, pardonnez ton frère, pardonne à ta sœur, pardonne à tes amis, pardonne. Et que les familles se réunissent, que nous puissions nous retrouver encore dans l'amour, ce serait une bonne chose. Bien-aimés, laisse-moi vous dire, j'aime bien ce passage de Hébreux 13, et ce point qui dit simplement persévérer dans l'amour. Parce que, bien-aimés, nous avons des efforts à fournir. J'aimerais vous dire aussi que l'amour, on ne le mérite pas. Peut-être que vous me diriez, mais qu'est-ce qu'il veut dire par là, verset grec? Je ne mérite pas, on ne mérite pas l'amour. L'amour ne se mérite pas. L'amour ne se justifie que lorsqu'il y a des problèmes. Parce que laisse-moi vous dire, tu ne peux pas me dire que vous ne pouvez pas me dire que vous m'aimez que lorsque je marche correctement selon vos principes, selon vos lois, ou lorsque je fais des choses qui vous plaisent. Non. Mais l'amour, bien-aimé, on ne le voit que lorsque je commets des bêtises. Lorsque je commets des choses vraiment à l'encontre de ta volonté, lorsque je fais des choses très mauvaises, alors en ce moment-là, on dira qu'effectivement cette femme,
aime son mari. Pourquoi? Parce qu'elle aura à pardonner. Oh, je me souviens encore, quand on était jeunes, là, il y avait vraiment de vrai amour. On voyait cette jeune fille qui venait d'être tabassée, cognée par son petit ami. Et peut-être la rougeur au niveau de l'œil ici. Et voilà, quand on lui demandait, qu'est-ce qui se passe? Ah non, je m'étais cogné à la porte parce que au nom de l'amour, il ne peut pas dénoncer son ami. Ou alors, celle-là, après avoir été tabassée par son copain, il appelle ses frères, ses oncles, ils viennent. Il arrête le garçon. Quand il commence à les tabasser, c'est la femme, la première à dire non, ne les touchez pas au nom de l'amour. Mais c'est lui qui t'avait tapé, non, ne les touchez pas. Bien aimé, l'amour pardonne tout. L'amour est patient, comme nous aurons à le voir dans 1 Corinthiens 13. Amen. Est-ce qu'il y a encore de la place pour moi, votre berger? Est-ce qu'il y a encore de la place dans votre cœur? Est-ce qu'il y a encore de la place pour tes frères? Est-ce qu'il y a encore de la place pour l'Église de Dieu? Est-ce qu'il y a encore de la place, bien-aimé? Car Christ dit, je vais à la maison de mon Père afin de préparer la place. Sa mission dans ton cœur, c'est de préparer la place pour les autres. Mais nous l'avons dit tout au long de ce message depuis que nous avons commencé, que si nous n'arrivons pas à nous aimer les uns les autres parce que simplement il n'y a plus de l'amour, ou c'est parce que à cause de problèmes, on a sorti la personne qu'on aimait dans son cœur. On n'arrive plus à pardonner. Un des disciples avait cherché Christ parce que Christ lui avait dit qu'il faut pardonner. Alors il a cherché Christ une fois pour demander combien de fois devrais-je pardonner. Parce qu'il cherchait à sortir de la bouche de Christ le nombre de fois. Alors il dit, est-ce que devons-nous pardonner cette fois? Christ lui a dit, non, je ne te dis pas cette fois, mais cette fois 77 fois. Donc Christ voulait simplement dire, il faut pardonner à l'infini. Pardonne, sans regarder la gravité du problème. Pardonne, sans regarder qu'est-ce que cette personne m'a fait. Bien-aimé dans le Seigneur, Deutéronome 32 nous dit, le Seigneur est en train de dire, à moi la vengeance, à moi la rétribution. Deutéronome 32, verset 35. Mais nous allons, parce que ce passage, on l'évoque aussi dans Romains 12. Romains 12, au verset 19. Romains 12, au verset 19, évoque le passage de Deutéronome 32, 31. La Bible dit ceci. Ne vous vengez point vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère, car il est écrit, à moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. Pourquoi voulez-vous vous venger? Aujourd'hui, vous n'arrivez plus à aimer parce qu'on vous a maltraité, parce qu'on vous a persécuté. Je disais tantôt, ma démarche, ce n'est pas de minimiser les problèmes. Ce n'est pas de voir dans toute sa petitesse ce que les autres t'ont fait. Mais je voudrais simplement que tu comprennes que le Seigneur est en train de te dire, le Seigneur qui habite dans ton cœur, il est en train de préparer la place pour ceux-là qui te maltraitent. Et c'est lui
qui m'envoie te dire, laisse agir sa colère à lui. Alléluia. Ça ne sert à rien de chercher, je ne lui parlerai plus. Ça ne sert à rien de se diviser parce qu'on n'arrive pas à pardonner. Mais Dieu dit, c'est lui. À lui la vengeance, à lui la rétribution. Bien-aimé, tu as eu la grâce de me suivre. Ne te venge pas. C'est le Seigneur qui te l'a dit. Parce que c'est lui qui va te venger. Si le Seigneur se venge à ta place, dis-toi qu'il se vengerait mieux que ce que toi tu veux faire. Mais lui, il te donne seulement un commandement. Il dit, aime celui qui te persécute. Aime ton ennemi. Aime ton frère, aime ta soeur. Aimez-vous les uns les autres. Bien-aimés dans le Seigneur, vous qui nous suivez, je crois que nous avons assez parlé de cet amour que le Seigneur nous recommande. Nous osons croire que l'Éternel est en train de faire un travail. Ce travail, c'est de panser vos plaies. Pour tous ceux-là qui vous ont causé des événements très douloureux, tous ceux-là qui vous ont maltraité, la Bible dit dans 1 Corinthiens 13, au verset 7 que nous avons lu, l'amour au vrai excuse tout. L'amour vrai pardonne tout. L'amour vrai croit à tout. L'amour vrai supporte tout. Est-ce que tu peux supporter? Cherche à supporter. Je sais que c'est difficile, humainement parlant, mais en suivant ce message, demande à l'Éternel de te soutenir. Demande le soutien de l'Éternel, il est là, c'est lui qui m'envoie te donner ce message. Ce n'est pas un hasard que tu viennes me suivre sur www.remaweb.com. Si tu es venu, c'est que Dieu t'accorde cette grâce aujourd'hui. Alors pardonne, supporte les autres. Et la Bible le rajoute au verset 8 du chapitre 13 de 2 Corinthiens. L'amour ne périt jamais. Je le disais tantôt, avant on avait de l'amour. Oh, ce message, je le donne à tous les couples en voie de dislocation. Les couples en voie de divorce. Souvenez-vous du premier amour. Souvenez-vous lorsque vous vous êtes rencontrés. Parce que la Bible dit, l'amour ne périt jamais. Ce n'est pas ma parole, c'est la parole de Dieu. Si réellement vous vous êtes aimé le premier jour quand vous vous êtes rencontrés, alors cet amour ne peut pas périr. Pourquoi vous voulez vous séparer aujourd'hui? Pourquoi vous ne vous regardez plus comme avant? Pourquoi vous ne vous supportez plus? Mettez de côté. Mettez de côté. Demande à Dieu de penser vos plaies afin de préparer des places pour ton prochain, pour ton mari, pour ton épouse, pour tes enfants. Il y a de ces enfants-là aujourd'hui qui ne se parlent même plus avec leurs parents parce que leurs parents n'ont plus de place à leur cœur, dans leur cœur. Il y a de ces enfants-là qui sont sortis du toit de leurs parents et qui sont partis, qui n'appellent même plus. Oui, que le Seigneur te soutienne, bien-aimé, qui a eu la grâce de me suivre. Que le Seigneur puisse préparer des places pour vos parents, dans vos cœurs. Est-ce qu'il est anormal de se dire qu'on est chrétien alors qu'on n'arrive pas à supporter les autres? L'amour vrai croit à tout. L'amour vrai n'a pas de préjugés. L'amour vrai supporte tout. L'amour vrai espère tout. Il faut espérer un changement, bien-aimé dans le Seigneur.
Parce que quand ils n'espèrent plus, il y en a de ceux qui disent, mon mari ici ne changera jamais. Il a été toujours comme ça, impudique, depuis qu'on a commencé, mais voici maintenant 15 ans. Il reste impudique. Mais est-ce que tu peux espérer un changement de ton mari? Alléluia. Parce que ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Voilà pourquoi Dieu est en train de dire, l'amour vrai espère tout. Espère au changement du comportement de tes enfants que tu ne supportes plus. Garde-leur une place dans ton cœur et espère un changement. En espérant à Dieu, sûrement que Dieu fera de grandes choses. Nous arrivons presque à la fin, bien-aimés. Qu'est-ce que nous voulons dire par rapport à ce thème? C'est que s'il n'y a plus de la place, c'est parce que simplement il n'y a plus d'amour. Mais le manque d'amour tue l'âme. Bien-aimés, si vous n'aimez pas la personne, ce n'est pas une solution parce que quelque part, ça fait du mal. Et tu te fais mal toi-même. Il y en a de ceux-là qui sont nés d'une même famille. Voici durant des années, ne se côtoient plus. Chacun dans son coin. Parce qu'on ne se supporte plus. Parce qu'on veut faire croire aux autres, au monde, qu'elle ou lui n'a plus de place dans mon cœur. Mais en réalité, tu en souffres. Voilà pourquoi nous disons le manque d'amour tue l'âme. Le manque d'amour tue la personne. La Bible a encore raison quand il dit que le pardon libère. Bien-aimé, le manque d'amour étouffe l'Esprit de Dieu. Je l'ai dit au début que ce message, je le donne à ceux qui ont reçu Christ comme Seigneur et Sauveur. Je le donne aux enfants de Dieu. Les enfants de Dieu sont dotés de l'Esprit de Dieu. Bien-aimé, si tu n'as pas d'amour, tu es en train, au fait, d'étouffer le Saint-Esprit qui est en toi. S'il n'y a plus de place pour les autres, c'est l'Esprit de Dieu qui est étouffé. Voilà. C'est au travers de ton prochain qu'on doit voir que réellement tu es disciple. Christ dit, si vous gardez mes commandements, j'aimerais dire, si vous aimez les autres, j'aimerais encore dire, si les autres ont de la place dans ton cœur, alors on reconnaîtra que vous êtes mes disciples. Que les Seigneur soutienne les familles divisées, que les familles soutiennent le couple divisé, que les familles soutiennent tous ceux qui ont des problèmes. Au travers de ces messages, prie que le Seigneur puisse penser tes plaies. Prie pour que le Seigneur puisse préparer la place pour les autres, afin qu'un jour nous puissions nous retrouver dans la gloire de notre Seigneur. Nous ne manquerons de glorifier son saint nom. Je vous bénis. Tous qui avaient suivi ces messages, soyez abondamment, soyez richement bénis, que vos cœurs ne se troublent point. Dieu est bon, Dieu est amour, et vous et moi exerçons cet amour en créant énormément d'espace pour les autres. Que le Seigneur vous bénisse.